Bonjour Pocoyo. Bonjour. J'ai hâte de savoir à quoi vous jouez tous les deux. Ah, d'accord. Vous faites semblant d'avoir un restaurant. Quelle bonne idée. À cause du chapeau qu'elle a sur la tête, qu'on appelle une toque, Ellie doit être le chef cuisinier. Par conséquent, toi, Pocoyo, avec ta serviette sur le bras, tu dois être le serveur. Bon, maintenant, il ne manque plus qu'une chose. Un client. Si seulement on connaissait quelqu'un qui accepterait de faire semblant d'avoir faim. Les enfants, notre ami Pocoyo a besoin de votre aide. Voyez-vous quelqu'un dans les parages qui serait un bon client pour le nouveau restaurant d'Ellie et de Pocoyo? Pato! Oui! Bienvenue au restaurant imaginaire d'Ellie et de Pocoyo. Veux-tu t'asseoir? Oh, regarde tout ce qu'il y a sur le menu. Des nouilles. Miam, miam, ça m'a l'air délicieux. Des nouilles. Oh, pauvre Pato, j'ai l'impression qu'il n'aime pas beaucoup les nouilles imaginaires. Oh, bonne idée! Un fruit pour le dessert, une orange. C'est bon et c'est plein de vitamines. Oh, quelle belle orange! C'était un ballon. Oh là là! Pato m'a l'air drôlement fâché. Quel est le problème, Pato? Tu as faim pour de vrai, mais... Enfin, voyons... On t'avait dit que c'était juste pour jouer. Mais oui, c'est même pour cette raison qu'on l'a appelé le restaurant imaginaire. On faisait juste semblant. Oh, le pauvre. Heureusement qu'il n'est pas rancunier. Il a faim, c'est tout. Dommage que l'on n'ait pas quelque chose à manger dans notre cuisine imaginaire. Oh, écoutez son estomac qui grogne. Il a vraiment très faim. Mais c'est un vrai gâteau. Ellie, tu as eu une idée formidable. En plus, le gâteau, c'est ce que Pato préfère. Vite, Pocoyo, rattrape-le. Gâteau. Ah, le voilà. Rebonjour, Pato. Tu vas être content. Notre chef cuisinier t'a gentiment préparé un gâteau.
Pato. Non, non, oh non, non, Pato. Non, Pato, 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 arrête. Pocoyo, Pato croit que ce gâteau est un faux, comme le reste. Il va le faire tomber par terre, j'en suis sûr. Oh, que faire? Ça y est, j'ai trouvé. Vous allez nous aider, les enfants. S'il vous plaît, prévenez Pato. Il ne sait pas que c'est un vrai gâteau. Pato. Nous avons un client satisfait, c'est parfait. Un grand bravo pour Pocoyo. Et un grand bravo pour le gâteau. À très bientôt.